Ça, c'est un instrument que se trouve au Vietnam, dans un étui, chez les Hmong. Chez les Hmong, dans le Nord-Vietnam, on peut trouver aussi au Laos, en Chine, et c'est un peuple nomade, et même en France, un grilly 2, il y en a pas mal de Hmong, et aussi en Guyane française. Vous savez que les Hmong qui vivent sur une altitude de 1500 mètres, et là, on a envoyé, la France a envoyé 1500 Hmong en Guyane française. C'est l'instrument que vous voyez là, c'est dans un étui. À l'intérieur, voilà, c'est un instrument. Alors, c'est cet instrument-là, tout petit, vous voyez, qui a deux languettes à l'intérieur, double languette, là. Oui, double languette. Et c'est un instrument qu'on appelle, c'est une guimbarde idioglotte. Idioglotte, c'est quoi? C'est que le 4 et la languette forment une seule pièce. Tandis que la guimbarde européenne, qui est une guimbarde hétéroclote, c'est-à-dire que le 4 et la languette forment en deux pièces. Et là, on met toujours sur les lèvres,